Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre survie modée. Le planning ça va être de faire la table d'enchante. On va peut-être commencer à faire des tables d'enchante custom aussi. On va aller dans le nether aussi. On va aller dans le nether pour se faire de la netherite. Les bibliothèques, je les ai déjà. Dans le dernier épisode, on avait loot des structures et on avait plein. Donc pour l'instant, c'est des bibliothèques normales. Mais après, on va aller essayer d'en faire des modés. Du coup, les bibliothèques modées, normalement, ça va me permettre d'avoir des meilleurs enchants à la table. Je pense que pour l'instant, on va partir sur celle du nether. C'est celle qui est en haut, là. Avant, ce que je veux faire quand même, c'est essayer d'améliorer un peu la maison. On va commencer le deuxième étage, mais on améliorera la maison en plein dans le prochain épisode, ça sera le sujet. Donc je vous laisse avec un petit timelapse. Bon, du coup, le deuxième étage est fini. C'est pas très joli, mais bon, on arrangera ça dans le prochain épisode. Donc, on va aller dans le nether pour farmer la netherite. Après, on commencera à farmer les ingrédients pour la table d'enchant. Il faudra des larmes de ghast. C'est là, des larmes de ghast, des blaze rods. Je pense que pour les larmes de ghast, on va bien galérer parce que c'est plutôt rare, je trouve. Bon, on se retrouve dans le nether. Je vais commencer à les farmer. Je pense que je vais faire une espèce de mini timelapse. Et je vous retrouverai après, quand ce sera fini. Alors j'ai fini de miner, j'ai commencé à chercher les ingrédients pour la table d'enchant. Donc là il y a un spawner à base là-haut, depuis tout à l'heure je suis en train de les farmer, j'ai fait une petite plateforme pour pas que ça tombe dans la lave.
que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter aux alentours de 30 Blaze Road. Puis après, on rentrera dans la base. À part si je trouve un petit ghast. Donc, on se retrouve dès que c'est fait. Du coup, j'ai fini de farmer les Blaze Rod. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à la base, mais j'ai trouvé un ghast. Donc, je vais le tuer et après on rentre. Bon, du coup, on va rentrer à la base. On a tout ce qu'il nous faut. On a une lame de ghast, on a des Blaze Rod. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le coffre qui est en haut. Puis après, on va faire un petit slash town spawn pour retourner à la ville. Bon, après je vous montrerai du coup ce que j'ai pu récupérer. Donc, on va se protéger avant. Hop là. Plus qu'à attendre. Bon, on va tout mettre dans des coffres. Du coup, on va mettre ça à cuire pour la table, enfin pour les bibliothèques. Donc, j'ai eu 25 débris antiques. J'ai eu les Blaze Rod, du coup, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser des coffres en plus parce que j'ai plus de place. Bon, du coup, on se retrouve pour essayer d'aller farmer un peu plus de larmes de ghast. Bon, ça fait déjà 30 minutes que je suis sur le toit du Nether. J'ai posé des blocs et tout pour que les ghasts spawnent, mais ça marche pas. Si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc je pense qu'on va rentrer parce que ça fait déjà 30 minutes. Je pense que ça va pas spawn. Je sais pas pourquoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà crafter les bibliothèques avec ce qu'on a. Bah, on se retrouve à la base. Bon, du coup, c'est déjà la fin de la vidéo. Modded est fermé, c'est pour ça que je suis sur un autre serveur. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Du coup, dans la prochaine vidéo qui sort dimanche, on améliorera. Enfin, dimanche prochain, on améliorera la maison parce que pour l'instant elle est pas très belle. Si la vidéo est sortie un peu en retard, c'est parce qu'il y a eu les fêtes de Noël, donc je suis désolé. Sinon, bah, on se dit au revoir et à plus. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Du coup, j'ai juste oublié de vous dire qu'il y aura une vidéo qui devrait sortir jeudi ou vendredi sur mes fourmis. A plus.